Nous mettons en œuvre les soins optimisés au couple mère nouveau-né. Ces soins comportent essentiellement l'examen systématique du nouveau-né à la naissance, la surveillance des faibles poids de naissance par l'utilisation du bracelet électronique bambou. À ce niveau, les nouveaux-nés dont le poids est inférieur à 2,5 kg, nous les mettons sous bracelet électronique. Et les relais communautaires ont à charge de surveiller ces nouveaux-nés à domicile. Dès que ces bracelets clignotent et signalent l'arlette, ça veut dire que l'enfant est en hypothermie. Et la maman doit mettre son bébé en kangourou et allaiter correctement le bébé, histoire de remonter la température, parce qu'il a été prouvé que c'est l'hypothermie qui est la première cause de mortalité chez les nouveaux-nés de faible poids de naissance. Et jusque-là, après le lancement, le 24 décembre, nous avons enregistré notre première naissance de faible poids. L'enfant pesait 2,3 kg à la naissance et elle a bénéficié de tous les soins. Au bout de 28 jours, elle pesait 3 kg. On a noté un gain pondéral de 700 g. Le second bébé de faible poids de naissance a été enregistré le 16 janvier 2021. Elle pesait 2 kg à la naissance. On lui a placé son bracelet. Les soins ont été administrés correctement. Au retrait du bracelet à J28, notre bébé a pesé 3 kg. À ce niveau, on a noté un gain pondéral de 1000 g, soit 1 kg. Voilà notre deuxième bébé. De faible poids de naissance, elle pèse aujourd'hui 5 kg. Donc elle va très bien. Aussi, et on a encore eu un témoignage, on a fait une jeune qui est sous pression de d'un de ses parents. Comment vous rapprochez ça? Il y a moyen d'avoir aussi les parents ici, de parler avec eux ou, On organise avec les parents les dialogues intergénérationnels. C'est-à-dire ce qui les pousse maintenant à envoyer les enfants dans les centres sans hésiter. À la maison aussi, ils discutent aussi de la société avec les enfants facilement, sans tabou. Après la formation, quand on organise des séances de sensibilisation, j'ajoute l'autodéfense. On ne s'attarde plus sur les grossesses en milieu scolaire, mais je les apprends surtout comment se défendre. Parce que les cas de grossesse en milieu scolaire, la majorité c'est pour les viols, sans consentement des femmes, des filles, des mères je dirais. Et après, quand je les montre comment se défendre, je vois qu'il n'y aura plus de grossesse et qu'il sera cas de viol. Si ce n'est pas eux, mais au consentement, avec la formation qu'on fait avec comment ne pas tomber enceinte, je vais voir. Des deux côtés, là, si tu es consciente, tu vas voir que tu veux évoluer. Ce ne serait pas ta volonté que tu vas tomber enceinte. Le forum et nos mamans intervient dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Nous sensibilisons les jeunes dans les écoles, dans les centres de formation et même en communauté sur la santé sexuelle et reproductive. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que les jeunes s'adonnent très tôt à la sexualité, alors que leur avenir devait les préoccuper. Donc nous les sensibilisons. Nous sensibilisons aussi la population sur les violences basées sur le genre. Parce que nous avons constaté que dans nos communautés, surtout dans les milieux ruraux, les petites filles sont souvent enlevées. Et par exemple, pour le cas de celle-ci, c'est avec la complicité de sa maman qu'elle a été enlevée. Et elle est revenue maintenant, on l'a retrouvée maintenant, ça ne fait pas encore 2 semaines.